L'enjeu de la construction démocratique ne se trouve plus tant dans les procédures, l'adoption des textes ou les habillages institutionnels de tous ordres, mais plutôt dans les bénéfices concrets qu'en tire le citoyen, la citoyenne, notamment en ce qui concerne ses droits économiques et sociaux. C'est à cette aune que la démocratie est mesurée. Or, pour atteindre cet objectif d'une démocratie dans les faits et au bénéfice de toutes et de tous, il est essentiel d'entretenir et de développer la culture du dialogue entre les institutions, mais aussi avec les forces vives de nos pays, avec la société civile et en particulier avec les jeunes qui n'ont jamais été aussi nombreux de toute l'histoire de l'humanité. Investir dans ce temps qu'il faut pour aller à la rencontre des populations, des jeunes, des femmes, des collectivités locales, pour valider, pour reconnaître, pour accompagner, pour saluer le génie du terrain, pour dire sans vous, rien n'est possible. Et cela est d'emblée rendu au centuple à la démocratie, à la stabilité. Nous devons entendre l'aspiration stimulante de ces jeunes à une gouvernance démocratique, à un dialogue public inclusif. Nous devons entendre leur volonté de vivre pleinement leur citoyenneté. Nous prendrions un grand risque en ne répondant pas à ces exigences légitimes.